avons eu une soirée intéressante d'échange entre les collectivités, les entreprises entre elles, et puis avec les élus que nous étions et qui pouvions apporter parfois des réponses, si ce n'est des solutions. C'était donné rendez-vous aux deuxièmes rencontres à l'issue de nos premières rencontres du 16 octobre 2017. Voilà, elles sont terminées. Je pense que le bilan est plus que positif. Je voulais, par rapport aux premières rencontres, montrer qu'on pouvait travailler davantage sur du concret tout en restant sur le travail en réseau avec les différentes entreprises. Dans l'ensemble, ça a été vraiment une très belle soirée. Une très belle soirée parce que vraiment, il y a eu une participation active dans tous les ateliers. Mais je rajouterai une chose qui me paraît vraiment intéressante. C'est la première fois qu'on a fabriqué de façon collective, en 1h30, la carte ressources d'un territoire. Tout est possible, il y a plein d'actions. Et sur les actions court terme, on peut très vite enclencher. C'est essentiellement, en général, basé sur de la communication. À moyen terme, on a sur l'accompagnement. Et à long terme, c'est les outils. Là, je pense qu'on a fait quelque chose qui n'est pas unique en France. Mais je ne suis pas sûr que je serais amené à le revoir ailleurs. On développe une politique de partenariat qui est importante. Donc pour nous, c'est essentiel aussi d'être partenaire avec différents acteurs locaux qui portent des projets et on souhaite bien entendu s'y associer. Chaque atelier finalement était une sorte de bouillon de culture qui permettait de vérifier certaines idées, approfondir, croiser avec différents partenaires. Une deuxième édition extrêmement productive et sans doute qui ouvre une troisième édition, j'en suis certain. La volonté, elle est générale. Je pense qu'on arrivera à avoir des résultats. Si on se réunit et on s'unit, on y arrivera.